blessed be the name of the Lord. Let us stand and lift our hands as we sing this song. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you a loud voice, let's sing. We give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. Blessed be the name of the Lord. Give him glory, give him honor, give him praise, give him worship. He is worthy of all the praise, all honor, all glory. Lift him up, lift your voices wherever you are right now, wherever you are connected to this convention right now. Lift him up. He is worthy to be praised. He is King of Kings and Lord of Lords. There is no one like him. No one could compare to his majesty, to his mighty goodness. Give him glory. Give him worship. Give him honor. Give him praise. Give him praise. Thank you, Jesus. Father, we bless your name. Father, we worship you. We exalt you. Lord, we lift you up. We magnify you. Our words can't express how grateful we are for your blood, for your grace, for your mercy. Lord Jesus, we love you so much. We thank you so much. We bless your holy name. You are worthy. You are worthy. Thank you, Lord. Yes, Lord. We give you all. Amen. You love the Lord. You love him. Isn't he wonderful? Amen. If you have your Bibles, I'd like you to turn with me to the book of Psalms, reading chapter 92. A few verses there. The first five verses. The book of Psalms, chapter 92, and it says, "It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto his name, O Most High, to shew forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hand. O Lord, how great are thy works! And thy thoughts are very deep." May we just bow our heads as we open up in a word of prayer. Oh, Heavenly Father,
We are so grateful, Lord. We are so thankful, Lord. Lord, words cannot express how great you are, Lord. Lord, you have been so good to us even during this period, during this convention, Lord. And as we come to this service, Lord, we know you're the same yesterday, today, and forever. And you're about to do exceedingly and abundantly above all we could ask or think right now, Lord. We've come under expectation to hear direct from you, Lord. Lord, in whatever form you may present yourself, in songs, Lord, in the greetings, Lord, in the testimonies, Lord, as the message comes forth, however you choose to manifest yourself, Lord. Lord, we know at the end of the day you'll get all the glory, all the honor, and all the praise. We've come under expectation. We've come excited. We've come, Lord, to hear direct from you. We pray that your Holy Spirit will drop down even now. Move throughout the camp, Lord, wherever we are. Wherever in the world we are connected, Lord, we know you know no bounds, Lord. Lord, there is nothing too hard for you. May lives be changed and transformed. May the sick be healed. May the bound be set free, Lord. Lord, we pray that you will raise up among us, Lord. Lord, and we'll be in liberty and freedom to worship and praise you and enter in this season, Lord. Lord, we pray that we be careful to give you all the praise, all the honor, and the glory, Lord. Lord, be with the musicians, the singers, the worshipers, Lord, the word as it comes forth, Lord, speak lip to ear to your people, speak to our hearts, Lord, continue, Lord. We're so thankful for the services that have gone forth, Lord. We're so thankful for what we've experienced thus far, and we know, Lord, your word never fails, and you're the same, Lord. Lord, we pray that you will have your perfect will today, Lord, of all that will be said, all that will be done, for every song that will be sung, Lord. Lord, may it be in line with your will. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give the Lord a hand of praise. Let's thank him and bless him and worship him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's sing that song. It is all over me and keeping me alive. You feel that way today? Oh, it is all over me and it's keeping me alive. Oh, keeping me alive. It is keeping me alive. It is all over me and it's keeping me alive. Jesus, let's take it up. Keeping me alive. It is all over me and it's keeping me alive. It is keeping me alive. I said it's keeping me alive. It is all over me and it's keeping me alive. Oh, Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. It is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Oh, Jesus is keeping me alive. Oh, it is all over me and it's keeping me alive. Keeping me, I said it's keeping me alive. It is all over me and it's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Oh, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It is keeping me alive. Oh, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Oh, it is all over me and it's keeping me alive. Keeping me alive. It is keeping me alive. It is all over me and it's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Let's sing the song. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. Oh, he is alive. God's not dead. He is alive. I can feel him in my hands. Feel him in my feet. Feel him in my heart. I can feel him all over me.
Oh, singing, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel him in my hands. Feel him in my feet. Feel him in my heart. I can feel him all over me. Just one more time. It is all over me. And it's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It is all over me. Keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Give the Lord a shout of praise. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Let's sing that song. We sing praises to your name. We can sing it in the same key. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh God, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to your name. Oh God, praises to your name. Oh, it's great and greatly to be praised. Just lift your hands and sing it. We sing honor to your name. Oh Lord. Honor to your name. Oh God, for your name is great and greatly to be praised. We sing honor to your name. Oh Lord, honor to your name. Oh God, for your name is great and greatly to be praised. Give him praise as the music plays. Yes, Lord. Worship him. Yes, Lord, we're here to create an atmosphere of praise and worship. Thank you, Jesus, for your name is great and greatly to be praised. Oh, we sing praises to your name. To your name. Oh God, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to your name. Your name, oh God, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Sing it one more time.
for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. Give him praise, give him glory, give him worship. Thank you, Lamb of God. He is great and greatly to be praised. His name is high and above every other name. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. At this time, you may have your seats as we have our first special. May God bless you. Remember how you told me that life would not be easy, and everything that I need, you already given me. I remember how you told me I can trust you completely. You're in this way.
Blessed be the name of the Lord. You appreciate that song? Thank you, Jesus. We appreciate you. God bless you. Amen, amen, amen. Let's sing that song. We are children of the Father. You feel that way today? Oh, we are children of the Father, and we are joint heirs with the Son. We are the people of His kingdom. We are, let's take it up. We are one. We are children of the Father, and we are joint heirs with the Son. Oh, we are the people of the kingdom. We are family, we are one. Oh, we are children of the Father. We are joint heirs with the Son. We are the people of His kingdom. We are family, we are one. Oh, my soul says yes. Oh, yes. Yes, my Lord, my soul says yes. Yes, yes. Oh, my soul says yes. Yes. Yes, my Lord, my soul says yes. Yes, yes. My soul says yes. Oh, yes. Yes, my Lord, my soul says yes. Oh, yes, yes. My soul says in the morning, in the noontime, yes. My Lord, my soul says yes. Oh, yes, yes. My soul says when I'm tired, when I'm weary, yes. My Lord, my soul says yes. Oh, yes. Just one more time, my soul says yes. Oh, yes. Yes, my Lord, my soul says yes. 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 Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you, Lord. Father, we praise you, Lord. Father, we exalt you. Thank you, Jesus. At this time, you may have your seats once more. So you have another special. May God bless you. Some souls have lost their way, and then to be used as His instrument, so men might see and know that He's faithful to His promise He made a long time ago. That He's coming back again. He's coming back again. Hey. Singing glory, hallelujah. Bless His name and lift Him up. Praise God, He's coming back again. Come on, cry and sing. He's coming back. He's coming back. Look around at the table. Oh, I can sing glory, hallelujah. Bless His name, bless His name. And lift Him up. Praise God.
Amen, 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 amen. You appreciate that? What a blessing. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's sing that song, Waves of Glory. Waves of glory, waves of glory, waves of glory over my soul. Jesus now is near. Waves of glory over, with every hand raised. Waves of glory, waves of glory, waves of my soul. Oh, Jesus now is near. There is no need to fear. Waves of glory over my soul. Just one more time. Blessed be the name of the Lord. At this time, you may have your seats once more as we have a greeting from one of our brothers. May God richly bless you. Dieu vous bénisse. God bless you. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Jack Duff de l'église de la Floride du Sud. J'adresse mes salutations spécialement à l'épouse de Christ dans le monde entier qui soutient cette convention. Salutations spéciales au frère Salomon Nachina qui organise ces réunions. J'ai été vraiment béni d'être contacté par le frère Théovide relativement à cette convention virtuelle. Il y a de cela quelques années, nous avons reçu la visite ici en Floride du Sud du frère Ovid, Thompson, Maduka et bien d'autres frères. Ce fut un réel plaisir de les rencontrer et c'est à nouveau une opportunité formidable d'avoir communion une fois encore avec ces précieux frères. Je veux aussi vous adresser les salutations de frère Westcall. C'est bien dommage que les conditions de ce monde aient changé, rendant impossible la réunion en physique. La COVID a frappé le monde, nous empêchant de nous réunir comme auparavant. Mais je suis convaincu que la COVID ne saurait empêcher cette rencontre dans les airs. Mes amis, ça ne tardera pas que nous allons bientôt rentrer à la maison. J'aimerais juste partager quelques pensées avec vous en rapport avec le thème qui s'intitule « Voici l'époux, c'est le temps de préparer les lampes ». Quand j'ai entendu parler de cette réunion, j'ai pu lire une citation, cela m'a ému le cœur, vous savez, et je trouve que cette citation est très appropriée pour la saison. La citation que j'aimerais lire présentement est tirée des âges de l'Église, elle figure dans l'annonce de la Convention. Elle dit, « Oh, ce sera un jour merveilleux, un matin merveilleux, un de ces merveilleux moments pour montrer que la résurrection sera universelle. » Il est dit, « De deux personnes qui seront dans un champ, je prendrai l'une, et de deux personnes qui seront dans un lit, je prendrai l'une. » Vous voyez, il fera nuit sur une partie de la terre et jour sur l'autre. Amen. Cette résurrection sera universelle, quoi que nos vies. Nous visionnons cette vidéo à des heures différentes, pour certains le matin, pour d'autres dans la soirée, bien.
Cela nous parle de ce à quoi ressemblera exactement l'enlèvement. Pour certains, ce sera en journée, tandis que pour d'autres, au même moment, ce sera en soirée. Néanmoins, nous serons tous enlevés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons dans l'expectative de ces choses. La citation continue ainsi. Il fera nuit sur une partie de la terre et jour sur l'autre partie. Cette résurrection, cet enlèvement sera universel. La trompette de Dieu sonnera et chacun d'eux, ceux de cette petite église-ci, celle-ci et celle-ci, et même ce petit groupe qui est passé par ici et qui est venu ici, quand cette vierge a vu la septième veille, eh bien, rappelez-vous qu'il y avait sept vierges. Est-ce juste? Je veux dire, cinq vierges sorties, dix vieilles sorties à la rencontre du Seigneur, cinq étaient vierges et les autres forges. J'apprécie la manière dont cette citation t'adresse à nous. Je crois que nous pouvons nous rendre compte de certaines choses dans ce que nous disait le prophète ici. Lorsque nous lisons les Écritures, on voit qu'il y avait dix vierges, mais quand il a dit qu'il en avait sept, je pense que nous ne devons pas prendre ça comme étant un lapsus. Nous pouvons y voir quelque chose dans ce qu'il a dit. Parce qu'il y a sept âges de l'Église et ces vierges ont représenté durant ces sept âges de l'Église. C'est la raison pour laquelle il a dit, et même ce petit groupe qui est passé ici et qui est venu ici, voyez-vous, nous y sommes dans ce septième âge de l'Église. Il y a quelque chose que nous attendons dans cet âge. Continuons la lecture. Dix vierges sorties à la rencontre du Seigneur. Cinq étaient sages et cinq étaient folles. Est-ce vrai? Et alors, pour ceux qui étaient vieilles, il y avait sept veilles et à la fin de la septième veille, certains dormaient depuis cette veille-ci, celle-ci. À la septième veille, une voix dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. J'aime cette écriture qui est citée, ici tirée dans Matthieu chapitre 25. Nous avons une responsabilité, celle de sortir et d'aller à sa rencontre. Amen. Alors, elle se levait et préparait le lampe, et toutes les autres, jusqu'ici, se levaient. Oh, ne sera-ce pas un moment merveilleux? Par conséquent, le temps de la préparation des lampes, je pense que c'est pour nous une pensée formidable sur laquelle s'attarder. Je crois que cette pensée s'accorde parfaitement à la saison dans laquelle nous sommes. Je trouve que nous vivons dans la venue du Seigneur. L'heure est avancée et l'enlèvement est tout proche. Et je crois que lorsque nous réalisons que l'heure dans laquelle nous vivons soit avancée, cela nécessite une réaction. Tout comme l'Écriture dans Matthieu 25 nous enseigne, il est dit, elle se levait, on lui a dit, allez à sa rencontre. Donc, elles se sont levées et sont allées à sa rencontre. Et non pas seulement ça, mais elles ont préparé leur lampe. Amen. Frère Branham nous a dit quelque part que nous devrions avoir de l'huile dans nos lampes pour allumer la lumière, car l'huile, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont de l'eau dans leurs lampes. Nous voulons nous assurer d'avoir de l'huile dans nos lampes et non de l'eau à la place de cette huile. Matthieu 25, verset 6 à 9 est la référence d'où est tirée cette pensée pour ces réunions. Et je salue encore le pasteur Haute pour cette inspiration. Il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous verrez en lisant le reste du chapitre qu'alors qu'elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint. Et ainsi, elles ont manqué la venue de l'époux. Nous ne voulons pas manquer la venue de notre époux en cette heure. Nous ne voulons pas aussi manquer son avènement. Je veux nous aider à comprendre parce que Frère Branham nous enseignait que l'avènement du Seigneur et sa venue sont deux choses différentes. Cependant, je vais affirmer ceci. Si nous pouvons reconnaître son avènement, c'est alors que nous verrons le signe de sa venue. Amen. Si nous pouvons saisir son avènement, il y a de fortes chances que nous n'allons pas manquer sa venue. Remarquez ce que dit le prophète ici dans le message, l'évangélisation au temps de la fin. Remarquez cette citation, il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous voyez son œuvre, maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, avènement et venue sont deux mots différents. Avènement et ensuite venue. Maintenant, c'est l'avènement.
il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous, dans les dernières quelques années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Pas constant, son avènement est en fait un signe. Si vous pouvez saisir son avènement, alors il y a de fortes chances de ne pas manquer sa venue. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui. Car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement et venue. On peut noter que le Seigneur Jésus est apparu dans le ministère de son prophète. Nous pouvons également remarquer que le Seigneur Jésus est apparu et continue d'apparaître dans le ministère de son épouse. Amen. Alors que nous nous attendons à sa venue, son avènement est un signe de sa venue. Gloire à Dieu. Les Écritures nous disent dans Matthieu 25, verset 7, « Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. » Et s'il y a un temps où nous devons nous réveiller et préparer nos lampes, c'est bien maintenant. Nous devons vider l'eau et laisser entrer l'Esprit. L'eau représente les choses du monde. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin encore plus du Saint-Esprit. Nous ne pourrions jamais assez prêcher sur le Saint-Esprit. Nous voulons nous assurer que nous sommes scellés pour le jour de notre rédemption. Nous devons être assez diligents en cette heure, car c'est bien à cette heure que le cri se fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ceci est le temps de la seconde venue du Seigneur, et nous vivons dans la promesse de sa venue. J'aimerais lire une citation que j'ai ici alors que je clôture. C'est tiré du message « L'Esprit de vérité », le prophète a dit. Il a prié. Nous voulons te demander, Père Céleste, de te souvenir de nous ce soir. Et pour ceux qui visionnent ceci en journée, je dirais, souviens-toi de nous ce matin. Et s'il y a un mal en nous, ôte-le, Seigneur. Ce soir ou ce matin, afin que nous puissions être présentables devant toi si tu devais venir ce soir ou ce matin, parce que l'enlèvement est universel. Il dit, nous prions pour les malades et les nécessiteux, nous prions pour ton église, tant pour celle qui est ici que pour celle qui est à travers le monde, tes enfants partout, dans chaque nation, afin que nous puissions laver nos robes dans le sang de l'agneau. Pendant que nous entendons cet appel, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Puissions-nous être capables en ce temps-là, Seigneur, par la grâce de Dieu et par les mérites de Jésus en qui nous plaçons notre confiance, de nettoyer nos lampes, d'avancer à la rencontre de l'époux. Prends la parole du Seigneur ce soir et si consigne nos corps en toute incrédulité, donne-nous cette glorieuse réunion, et je prie ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frère Jack Duff de la Floride du Sud. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It's good to be here. Ça fait du bien d'être ici. And I want to thank the Lord. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce privilège qui m'est accordé de saluer le corps de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ dans le monde entier, surtout dans cette saison de l'adoption. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais saluer mon cher ami, le pasteur Salomon Natchina, ainsi que le tabernacle de la vie à Tamale, au Ghana, pour m'avoir accordé ce merveilleux privilège de saluer la convention dans cette saison spéciale. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous apporte les salutations de la part de mon épouse, ma famille, ainsi que mon église ici à Enewi, au Nigeria. Nous courons tous vers la perfection. Et je salue tous les ministres et tous les pasteurs qui prennent part à cette convention, surtout ceux d'entre vous qui prêcheront, ainsi que ceux qui ont déjà prêché. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il couronne votre ministère avec la charité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce merveilleux privilège que tu nous accordes de nous rassembler à travers le monde pour nous nourrir de cette manne cachée. Seigneur, tu nous bénis
Chaque fois que nous nous rassemblons et nous croyons, Seigneur, que ceci sera une saison spéciale, Seigneur, où le Saint-Esprit agira encore une fois de plus au milieu de l'épouse. Ainsi, Seigneur, je prie que tu bénisses la convention afin que ton dessein, ô Dieu, puisse s'accomplir parfaitement par le Saint-Esprit. Déverse ton onction d'une manière spéciale. Seigneur, Père, que chacun reçoive sa portion. Et je prie que tu bénisses les paroles qui seront apportées dans cette salutation pour la gloire de ton nom. Seigneur, que cela soit une bénédiction pour ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme écriture pour cette salutation, j'ai choisi le livre d'Apocalypse, le chapitre 19. Et je remercie le Seigneur pour l'inspiration de la convention. Voici l'époux. C'est le temps de préparer les lampes. Et dans le livre d'Apocalypse, il est écrit à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ensuite, mes amis, Apocalypse le chapitre 10, qui est une écriture qui nous est très familière. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. En d'autres termes, les temps sont terminés. Louange à Dieu, et nous remercions Dieu parce que nous savons, amen, que le Saint-Esprit est ici maintenant. Amen. Pour montrer à l'épouse, je veux dire par la révélation des sept tonnerres, montrer à l'épouse comment se préparer pour posséder la grande foi de l'enlèvement. Louange au Seigneur. Nous remercions donc le Seigneur parce que c'est par sa grâce que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et cette grâce nous prépare pour le retentissement de la dernière trompette. Amen. Nous remercions Dieu pour les vêtements de noces, pour le temps accordé pour préparer les lampes. J'aime bien ce que le prophète dit ici dans le message, le sceau de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-il arrivé? Dans quel jour vivons-nous? Oh mon frère, dans quel jour vivons-nous? Ne pensez pas que je suis fou. J'espère que je ne le suis pas. Si je suis fou, laissez-moi tranquille. Je me sens mieux dans cet état que dans l'autre. Mais écoutez, il dit, écoutez, je vous le dis, mon frère et ma soeur, de quoi cela est-il le signe? C'est le signe que nous sommes au temps de la fin. Qu'a dit Jésus au sujet des vierges endormies? Oh, vous traitez cette église de vierges. C'est exactement comme était Caïn. C'est exactement la même chose. Elles adorent. Mais la vierge endormie n'avait pas d'huile dans sa lampe. Voici la différence. Elle n'avait pas d'huile dans sa lampe. Est-ce juste? Quand elle s'est rendue compte qu'elle était plus en retard qu'elle ne le pensait, que le communiste s'est glissé sur elle, elle a dit, oh, donnez-nous de l'huile. Donnez-nous de l'huile. Ce sont également des adoratrices. Voyez, comment recevez-vous ce Saint-Esprit?
Et il continue, allez en acheter auprès de celui qui en vend. Et rappelez-vous, au même moment où la vierge endormie est allée acheter l'huile, c'est à ce moment-là que l'époux est arrivé. Quoi? Ne voyez-vous pas cela? Si les presbytériens et les épiscopaliens, ainsi que ces autres groupes viennent chercher le Saint-Esprit, vous ferez mieux de moucher votre lampe. La moucher, oui, elle a besoin d'être mouchée. Pentecôtiste, vous ferez mieux de moucher les lampes. Amen. Détachez-vous de ce tas de mondanité. Vous êtes déjà complètement rongé. Les mèches sont en mauvais état. Vous savez que la mèche est une chose importante. J'avais l'habitude de veiller combien un vrai croyant est une véritable mèche de Dieu. Le croyant est une mèche. Le croyant, amen, c'est une mèche. Il continue en disant, regardez, il a un feu à un bout ici en haut et l'autre bout est plongé dans l'huile, tirant l'huile pour produire le feu. Oh, gloire! Il dit, quelle église, quelle puissance, quel endroit où être, alléluia, en brillant cette même lumière de l'évangile qui brille à l'est, brille à l'ouest. Vers le soir, la lumière paraîtra et il ajoute, lève-toi, mouche ta lampe. Il parle de l'épouse. Amen. Mouche ta lampe. Amen. Ça, c'est un appel qui est lancé à l'épouse. Le Saint-Esprit lance un appel à l'épouse, lui demandant de moucher sa lampe. Il dit, Pentecôtiste, mouche ta lampe. Ôte le monde, ôte les mots du monde, ôte les choses du monde. Sois prêt. L'heure est proche. Alléluia. L'heure est proche. Il n'y aura plus de temps. Louange à Dieu. Souvenez-vous qu'il a dit qu'au moment où elles sont allées chercher l'huile, c'est à ce moment-là qu'il arriva. Et juste au moment où elles sont allées en chercher, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Alors l'époux est entré. Voyez-vous, l'Amérique a blasphémé contre le Saint-Esprit. Elle s'en est moquée depuis que cette lumière est venue sur la scène il y a 40 ou 50 ans. Elle s'en est toujours moquée. Les autres églises se sont moquées. Elles se sont manifestées. Eh bien, elle commence à sortir la tête et dit, nous aimerions avoir un peu de ceci. Mais juste au moment où elle se met à faire cela, c'est un signe que nous devions nous mettre à préparer notre lampe. Que Dieu suscite des prédicateurs qui vont se mettre à préparer les lampes. Je vais vous dire ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est quelque chose qui va préparer notre lampe. Louange à Dieu, qui va manifester le vrai feu de la Pentecôte. Le Saint-Esprit originel se déversant, amen, et préparant l'épouse. Voyez-vous, prenez une vieille petite lampe toute où le carbone s'est formé sur la mèche de la lampe, elle va faire fumer complètement votre lampe. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons trop de carbone sur la lampe. Trop de carbone. La flamme n'est pas bien alimentée. Cela n'arrive pas à avoir assez d'air depuis le fond. Ce qu'il nous faut, c'est un bon moment de souffle. Un bon souffle. Un souffle nouveau venant du ciel. Souffle du baptême du Saint-Esprit. Une fois de plus. Et le Saint-Esprit œuvrant dans l'église, accompagné de miracles et de prodiges. Le véritable sceau de Dieu. Et c'est bien ce pourquoi nous luttons ardemment. Le véritable sceau de Dieu, le même Saint-Esprit, la même puissance originelle qui se déversa le jour de la Pentecôte. Et si c'est le même Saint-Esprit, cela produira les mêmes résultats. Cela produira les mêmes actions. Cela produira les mêmes manifestations. Parce qu'il s'agit de Dieu. Et Dieu ne change pas. Louange à Dieu. Et le prophète dit que nous avons besoin d'un souffle nouveau venant du ciel. Souffle du baptême du Saint-Esprit une fois de plus. Et le Saint-Esprit œuvrant dans l'église. Amen. Le temps de préparer les lampes. Louange à Dieu. Alléluia. C'est le temps de moucher les lampes. Un souffle nouveau. Nous savons comment cela est venu sur eux le jour de la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit, Jésus avait déjà soufflé sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous réunis du même pensée et de commun accord, tout comme nous sommes réunis dans cette convention de même esprit et de même accord, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Ce souffle, ce souffle qu'il souffla sur eux dans le livre de Saint Jean 20 s'est transformé en un vent impétueux le jour de la Pentecôte et a baptisé ces gens à nouveau. Et le prophète dit, ce qu'il nous faut, c'est un souffle nouveau, c'est un bon moment de souffle, un bon souffle
un souffle nouveau venant du ciel, souffle du baptême du Saint-Esprit une fois de plus, et le Saint-Esprit œuvrant dans l'église, accompagné des miracles et des prodiges. Le véritable sceau de Dieu. Alléluia. Il ajoute, je vais vous dire quoi, je vais chez les assemblées, si on ne me traite pas comme il le faut, j'irai chez les forces quoi. Oh, vous êtes couverts de carbone, vous faites fumer votre lumière. Préparez votre homme, soyez prêts, nous sommes au temps de la fin. Amen. Cependant, quelqu'un le fera, il prêchera cela, quelqu'un le dira, quelques-uns quelque part recevront cela. C'est juste, je ne sais pas combien, car il a dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, où 8 âmes furent sauvées. Mais je ne sais pas combien vont recevoir cela, mais il y en aura quelques-uns qui prépareront leurs lampes. Il y en aura certainement quelques-uns qui prépareront leurs lampes. C'est tout ce qu'il en est, car c'est le temps de préparer les lampes. Amen. C'est le temps de préparer les lampes. Louons à Dieu. Et nous savons que lorsque ces vieilles folles sont allées à la recherche de l'huile, elles n'en ont pas eu. Amen. Parce qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait assez que, il n'y en avait assez que pour les 144 000 juifs. Louange à Dieu. Mais l'épouse a la plénitude de l'esprit. Et elle est prête. Elle s'est préparée pour l'enlèvement, pour la venue de l'époux. Donc l'inspiration ici concerne la venue de l'époux. Voici l'époux. Amen. Il revient chercher une épouse qui est retournée à la foi originelle en Dieu. Son épouse s'est préparée dans Apocalypse 19, le verset 7. Amen. Nous retrouvons trois choses principales. Sa femme s'est préparée. Amen. Gloire. Vous vous préparez grâce à une parole qui a été révélée par Malachi 4. Amen. Les sept tonnerres qui préparent l'épouse. Amen. Pour la grande foi de l'enlèvement qui montre à l'épouse comment se préparer. Les sept tonnerres rassemblent l'épouse. Amen. Les sept tonnerres, c'est le réveil de l'épouse. Louange à Dieu qui montre à l'épouse comment se préparer. Voyez-vous, qui révèle à l'épouse le triple mystère, Dieu en Christ et Christ en vous, qui vous prépare et qui vous unit avec lui. Louange au Seigneur. Ensuite, numéro 2, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, quelle puissance qui descend dans l'église pour revêtir l'épouse. Et ensuite, numéro 3, oh là là, voici la chose. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et nous sommes si heureux de vivre dans cette saison, au temps du festin de noces de l'agneau. Nous nourrissons de la manne cachée et des choses secrètes de Dieu. Nous préparons par la parole révélée par Malachi 4. Amen. Et nous avons ici une dernière citation dans le message de l'état présent de mon ministère. Il dit, j'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci, qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole pour vêtir son épouse du vêtement de la parole et cela pour sa justice. J'espère qu'il couronnera mon ministère, qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole qui est le fin lin pour vêtir son épouse. Alors si le vêtement est prêché, ce qui est la parole, amen, et nous y sommes, nous avons reçu ce vêtement de sorte que nous soyons vêtus des vêtements de noces et le vêtement de la parole et nous sommes prêts à aller à la rencontre de l'époux. Amen. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Loué soit son merveilleux nom. Donc que le Seigneur vous bénisse richement et je prie que le Saint-Esprit qui est l'huile se déverse dans cette convention. Amen. Et que toutes les personnes qui sont prédestinées à la vie puissent voir leur coupe déborder d'huile alors que nous plongeons notre mèche profondément dans l'huile et qu'il y a du feu qui est allumé au-dessus de la mèche. Et dans ce message, dans cette saison, il n'y a rien qui soit couvert de carbone. Tout le carbone a été retiré. Nous avons l'affection fraternelle, nous avons le pardon, nous avons la joie. Amen. Il y a la charité parmi les croyants. Louange à Dieu, comme le prophète Branham l'a prophétisé. La charité sera là. La charité va ôter toute la méchanceté. Tout ce qui est couvert de carbone, tout ce qui se rapporte à la dénomination est ôté. Maintenant, la lumière est là. La lumière de l'épouse brille. La parole est dans l'épouse. Et l'esprit est ici pour manifester que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. You appreciate those greetings, that testimony. Blessed be the name of the Lord. Let's give the Lord a shout of praise. Let's give him a hand of praise. Thank you, Jesus. Amen. Let's sing that song, He is my rock, my sword, my shield.
Let's take it up a little bit. He is my rock, my sword, my shield. He is the wheel in the middle of the wheel. He is the nearest of 10,000 to my soul. I don't care what nobody says, I'm gonna praise him anyway. He is my rock, my sword, my shield. Praise the Lord. Oh, he is my rock, my sword, my shield. He is the wheel in the middle of the wheel. He's the fairest of 10,000 to my soul. I don't care what nobody says, I'm gonna praise him anyway. He's my rock, my sword, my shield. Praise the Lord. Oh, he is my rock, my sword, my shield. He is the wheel in the middle of the wheel. He's the fairest of 10,000 to my soul. I don't care what nobody says, I'm gonna praise him anyway. He's my rock, my sword, my shield. Praise the Lord. Oh, he's my rock, my sword, my shield. He's a wheel in the middle of the wheel. He's the fairest of 10,000 to my soul. I don't care what nobody says, I'm gonna praise him anyway. My rock, my sword, my shield. Praise the Lord. Oh, he is my rock, my sword, my shield. He's a wheel in the middle of the wheel. He's the fairest of 10,000 to my soul. I don't care what nobody says, I'm gonna praise him anyway. He's my rock, my sword, my shield. Praise the Lord. Praise him like you mean it right now. Give him glory, give him honor, give him praise. Yeah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. At this time, it's my privilege and honor to invite to the platform a real servant and friend, Brother Olu Omotoyinbo, as he comes and ministers to us. You appreciate him. Let's sing that song as he makes his way forward. Amen. Oh, he is my rock, my sword, my shield. He is the wheel in the middle of the wheel. He's the fairest of 10,000 to my soul. I don't care what nobody says, I'm gonna praise him anyway. He is my rock, my sword, my shield. Praise the Lord. Oh, by and by, when the morning comes, when all the saints of God are gathered home, we will tell the story of how we overcome. And we'll understand it better by and by. Sing it one more time. Oh, singing by and by. Oh, when the morning comes, when all the saints of God are gathered home, we will tell the story how we overcome. And we'll understand it better by and by. Prions. Bienveillant Père Céleste, nous te disons merci une fois encore pour la grâce d'être de retour dans ta présence une fois encore pour ces réunions ici. Merci Seigneur pour ces réunions de la convention. Merci pour les bénédictions que tu as déversées sur nos vies. Merci pour d'accomplir toujours ta parole. Tu as dit, rassemblez mon peuple et je les donnerai de l'eau. Nos âmes ont été nourries et nous te disons merci pour cela. Nous voulons te demander, Seigneur, qu'une fois encore, tu puisses déverser ta grâce abondante sur nous. Alors que nous entrons dans ta parole, que ton Saint-Esprit lui-même nous en donne le contexte pour nourrir les âmes de tes enfants épuisés. Et nous serons très prudents à la fin de ces réunions et tous les jours de nos vies de te donner tout l'honneur et la louange, l'honneur et la gloire. C'est ce que nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Bonjour.
C'est une bénédiction d'être ici avec vous une fois de plus. Et si vous avez vos Bibles, j'aimerais attirer votre attention sur quelques portions des Écritures dans le livre de Josué, le chapitre 1, aussi nous lirons le chapitre 5. Et mon écriture de contexte sera Hébreux, le chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Josué, le chapitre 1. Il est ainsi écrit dans le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué, le chapitre 5, du verset 13 au verset 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à sa sainte parole. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et bonjour une fois encore. Et au nom de mon épouse, de ma famille, de notre église ici à Lagos, au Nigeria, nous voulons saluer la convention et dire que c'est réellement une bénédiction et c'est un grand plaisir aussi, un privilège d'être encore avec vous une fois de plus dans cette convention virtuelle. Et je pense que c'est la cinquième que nous organisons, que nous avons. Ces deux dernières années ont été très difficiles pour le monde entier. Et au milieu de tout cela, le bénéfice et le privilège d'avoir communion les uns avec les autres. Donc c'est une bénédiction d'être ensemble. Que Dieu vous bénisse à frère Salomon et à sa précieuse épouse et sa famille, son église, Laf Tabernacle de Tamale. Nous vous disons merci d'avoir permis que nous soyons en service pour être une bénédiction aux enfants de Dieu qui sont dans l'attente. Merci frère Salomon pour l'inspiration de rassembler, d'organiser cette convention. Et à frère Théo et à ton équipe à Trinidad, je ne sais pas ce que nous ferions dans ces conventions sans l'œuvre formidable que vous faites, vous accomplissez derrière la scène.
C'est si énorme et nous manquons des mots pour qualifier frère Théo, frère Isaac, Trinidad. Merci pour ce que vous faites derrière la scène pour organiser ces choses. Et comme je l'ai dit, j'envoie toujours mon message en retard et cela vous met la pression et je vous demande de me pardonner. Merci pour ce que vous faites pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Et aux églises, aux pasteurs, aux ministres, aux croyants qui seront dans les réunions, et merci d'être dans les réunions, merci pasteur, d'avoir permis à vos brebis de participer à la réunion, parce que sans vos brebis écoutant, il n'aurait pas de convention. Donc merci pour la grâce et dans votre cœur pour être participant de cette convention. Et ce n'est pas que vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas encore écouté auparavant, mais le prophète a tout révélé. Mais juste le fait d'avoir communion les uns pour les autres. Merci frères et sœurs, mes frères, et que Dieu vous bénisse. Et pour mes amis, pour mes collègues ministres qui ont prêché avant moi et qui prêcheront après moi, merci. Votre ministère, spécialement dans ces conventions, et merci du fond du cœur une fois encore. Et pour moi, c'est une bénédiction et c'est un privilège et même un honneur d'être une partie de vous, de faire partie de vous et dans le champ et faisant le peu que nous pouvons pour notre cher Seigneur. Merci pour votre ministère qui a toujours été une bénédiction. Merci pour la bénédiction que vous avez été aussi dans cette convention. Ainsi, ce matin, j'aimerais parler sur un sujet appelé à sortir. Frère Madame nous a dit que l'Église, c'est les appeler à sortir. Et comme Dieu fait, il a toujours une ombre, il a toujours un antitype. Et dans l'Ancien Testament, Israël en Égypte, en esclavage pendant 430 ans. Et ensuite, être sorti par la main puissante de Dieu, c'est une ombre de l'Église, c'est un type de l'Église. C'est Dieu qui monte sous forme d'ombre, et que l'Église dans le Nouveau Testament qui viendra en scène ainsi. Israël a séjourné en Égypte et comment Dieu les a fait sortir par la main puissante et les a placés dans la terre promise comme il en a parlé. Abraham le père, il y a trois choses fondamentales dans toute l'histoire de la servitude d'Israël en Égypte et les délivrances et bien sûr le voyage dans la terre promise. Premier enseignement, le fondement, la base de la foi chrétienne est établie. Et deuxièmement, l'enseignement du voyage de l'Église dont nous faisons partie. Et troisièmement, cela parle des grandes promesses de Dieu pour cette épouse du temps de la fin dans ces derniers jours. Et tout cela est contenu dans toute l'histoire d'Israël en esclavage, sortie de l'esclavage, et le voyage dans le désert, et le voyage dans la terre promise et l'Écriture. Dans Josué, le chapitre 1, Israël est sur le point d'entrer dans la terre promise, et c'est Josué qui a été commissionné. La commissionné de Josué est en trois parties. Numéro 1, les faire traverser le Jourdain dans le pays. Deuxièmement, posséder, s'emparer du pays. Tout lieu sur lequel se posera la plante de ton pied, ce lieu, je te l'ai déjà donné. Empreinte de pas signifie possession. Et donc, posséder, s'emparer du pays. Donc, troisièmement, la commission de Moïse, c'était de Josué, c'était de répartir le pays au peuple, les placer dans leur position, les placer positionnellement dans le pays, afin qu'ils puissent finalement avoir un lieu de résidence, qu'ils puissent appeler le leur, parce que c'était des gens qui étaient en esclavage en Égypte pendant ainsi longtemps. Ils étaient des étrangers, ils ont séjourné dans un pays étranger. Donc, ils ne pouvaient pas réclamer aucune partie du pays. Donc Dieu voulait les faire sortir par sa main puissante et les placer dans leur propre patrie, où ils auront leur propre patrie, où ils seront même de construire leur propre maison, où ils pourront laisser un héritage pour les enfants et la génération qui s'en suivra. Ça, c'est toute l'histoire. Et Dieu devait
les place, les faire, les placer dans ce pays de repos physique où ils allaient bâtir, où ils allaient avoir leur propre territoire, leur propre patrie et leur propre terre qu'ils pouvaient donner en héritage à leurs enfants après eux et aux générations qui s'en suivra. Donc cette histoire d'Israël en esclavage nous enseigne trois choses pour ce qui concerne l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, Israël a été appelé à sortir de l'Égypte et ils sont entrés dans un voyage. Donc Israël est toujours le type de l'Église, frère, madame, nous enseigner et tout lecteur de la Bible connaît cela. Israël est toujours le type de l'Église. Donc Israël dans son voyage était le type de l'Église en voyage. Donc Israël de l'Égypte à Canaan, de la terre promise, représente le voyage de l'Église du monde dans la gloire. Le voyage d'Israël était une marche avec Dieu, parce que c'était un voyage qui a été conçu par Dieu lui-même, et marcher avec Dieu, cela nécessite la foi, parce que vous marchez avec Dieu par la foi. Donc le voyage d'Israël était la foi, c'est quelque chose de fondamental pour la croyance chrétienne. Le voyage d'Israël était au sujet de la foi. Notre voyage chrétien parle de la foi. Israël, la semence naturelle d'Abraham, l'Église, la semence spirituelle d'Abraham, marchant avec Dieu par la foi. Israël a plutôt quitté l'Égypte, 2 millions de personnes. C'était un voyage collectif. Donc, ce collectif était constitué d'individus qui formaient ce collectif. C'était un groupe de 2 millions. Chaque individu devait rendre compte pour ce groupe. Donc, de la même manière, l'Église, dans son voyage, c'est quelque chose de collectif. C'est un groupe, c'est une unité ensemble. Mais ce sont des individus qui doivent aussi accomplir leur œuvre dans ce voyage. C'est une œuvre de foi pour ce groupe. C'est une œuvre de foi pour les individus. L'Église est constituée d'individus qui font l'Église. Et frère Madame a dit, la manière dont Dieu bâtit son Église, c'est ainsi qu'il bâtit l'individu. Vous ne pouvez pas séparer cela et vous comprenez cela. Lorsque nous arrivons dans la terre promise, chacun doit avoir son héritage individuel. Il a donné aux tribus leur héritage, mais chaque personne devait avoir son héritage. Et Caleb allait vers Josué, dit, donne-moi ma montagne. Il a demandé son héritage individuel parce qu'il a compris qu'ils étaient un groupe, mais qu'il était aussi une personne. C'est ainsi que Dieu traite avec nous, pas en tant que groupe, mais en tant qu'individu. Mais ensemble, nous devons être ensemble et comme un groupe pour former l'Église. Et personne dans l'Église est un étranger pour lui-même. Ça doit être une unité. Et chaque personne dans ce groupe doit marcher sa marche avec Dieu. Et c'est le mystère de l'Église chrétienne. Un collectif constitué de différents individus. C'est pour cela dans Apocalypse, le chapitre 1 et à 3, lorsqu'on parle des âges de l'Église, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, celui qui n'a pas eux, mais celui, quoi qu'il parle à l'Église, mais il parle à chaque individu. Il a parlé de ce qu'ils ont fait en tant que groupe. Mais quand il s'agit de la réprimande, et pour écouter, pour obéir sur la parole, pour agir sur la parole de Dieu, il parle aux individus. Donc, ce sont des choses fondamentales pour la croyance chrétienne. Lorsque l'Église, c'était une unité ensemble, ils étaient unis ensemble, l'Église. Mais chaque personne était dans ce groupe, marchant seul avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu comme notre Église marche avec Dieu. Non, vous devez avoir votre propre marche individuelle avec Dieu. Ainsi, Israël a débuté un voyage. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au pays de la gloire. Et ça, c'est ce que le voyage d'Israël représente pour l'Église.
Saisissons une leçon ici. Dans le voyage d'Israël, nous pouvons diviser cela de deux segments différents. Hors de l'Égypte, premier segment, et du désert au pays promis, au-delà du Jourdain. Donc vous avez là le premier segment, 40 ans dans le désert, et le deuxième segment, la traversée du Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse. La première partie, Moïse les a fait sortir. Et la deuxième partie, Josué a été commissionné de les faire entrer. La commission de Josué, c'est ce que nous avons lu dans Josué, le chapitre 1. Ainsi, ayant dit toutes ces choses, remarquons quelques exemples ici. Il y en a plusieurs, mais juste mentionner et quelques-uns de ces choses fondamentales pour notre foi que vous trouvez en Égypte, vous trouvez les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'ils ont été appelés à sortir dans le désert, et nous en parlerons davantage de ces choses. Et ces choses ont été écrites pour notre exemple, afin que nous sachions comment ne pas être et comment être afin de ne pas aussi tomber, chuter de la même manière qu'ils l'ont fait. Mais laissez-moi lire et rapidement mon écriture de contexte. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, ça c'est les 40 ans, où vos pères me tentaient pour me prouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. J'étais fâché, j'étais en colère. Et contre cette génération, j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. En d'autres termes, leur cœur n'est pas en ordre avec moi. Ils font toujours des choses contraires dans leur cœur. Leur cœur n'est pas clair avec moi. Leur cœur n'est pas obéissant à mes paroles. Ils s'égarent, ils ont un cœur qui s'égare. Et une fois qu'ils s'égarent dans le cœur, cela va se matérialiser à l'extérieur. Et une fois que cela dans le cœur, Dieu regarde les intentions et les désirs du cœur. Nous jugeons les actions, mais Dieu juge les intentions du cœur. Et par conséquent, Dieu a dit, et parce que dans le cœur, ils s'égarent, et ils n'ont pas connu mes voies. Ainsi, je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. En d'autres termes, ils n'entreront pas dans le pays de la promesse, le pays du repos, où ils se reposeront de toutes les œuvres, de tous les labeurs, et ils auront l'héritage qu'ils peuvent donner à leurs enfants et à leurs petits-enfants et aux générations qui viendront. Dieu a juré maintenant. Quand Dieu fit sortir Israël d'Égypte, le voyage était sorti d'Égypte pour un pays. Dieu a rendu cela si clair, si net. C'était le voyage, c'était le plan. Cela était net. Il n'avait aucune ambiguïté. Cela ne souffrait d'aucune ambiguïté. Il n'y avait aucune ambiguïté. C'était quelque chose de net, de clair. Il sortait et il devait effectuer un voyage dans le pays de la promesse. Et chaque voyage de la foi est pareillement lorsque Dieu appela Abraham, le père, il sort du pays de Chaldée dans un pays que je vais te montrer. Et Abraham marcha avec Dieu comme ceci. Et plusieurs exemples dans la vie d'Abraham, plusieurs exemples dans la vie d'Isaac, plusieurs exemples. C'est un voyage. Et le voyage a toujours une destination. Mais une fois que ces gens sortis, ils se sont comportés comme si la destination était le désert. Maintenant, voici le plan de Dieu en trois points. Premièrement, les faire sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte, et cela se référait à Jacob, mais aussi au Messie Jésus. Et lorsque il les a fait sortir d'Égypte, lorsque Jésus chercha le tuer, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Ça, c'est la première chose, les appeler à sortir. Et deuxièmement,
Dieu avait un plan pour les faire sortir du désert. Dieu a dit à Moïse, ne les fais pas passer par cette voie, mais pour rencontrer Dieu. Mais fais-les passer par une voie où ils ne vont pas faire marche arrière pour retourner en Égypte, parce que Dieu connaissait le cœur, que certains de ces Hébreux ne voulaient pas aller tout le long jusque dans le pays de la promesse. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte les suivait. Donc Dieu ne voulait pas qu'ils retournent en Égypte. Dieu a rendu cela très difficile pour eux. Dieu devait rendre cela plus facile de vivre la vie chrétienne que de retourner en Égypte. Ce n'est pas difficile de vivre la vie chrétienne. C'est plutôt difficile de vivre une vie d'un croyant. Je ne dis pas que c'est facile de vivre une vie chrétienne, mais l'ennemi combat. Mais c'est plus difficile de vivre comme un incroyant. C'est plus difficile de vivre dans le monde et retourner. C'est plus dur parce que la voie de la transgression est dure. La vie est dure. La vie n'est pas quelque chose de simple, de facile. La vie, ce n'est pas des gâteaux et des pains. Non. Demandez à un bébé qui est né, ce bébé dans le confort de sa, dans le sein de sa mère, il est confortable, il est à l'aise. Mais une fois qu'il sort, alors c'est quelque chose de différent. Different environnement, le plaisir change. Et l'environnement change. Et ce bébé pleure. Le pleur, c'est ce qui lui fait vivre. Et s'il ne pleure pas, il répond aux tensions autour de lui. Cela montre que l'environnement changeant n'est pas bon pour le bébé, mais il doit vivre. Et donc, c'est ce que cette marche de la foi accomplit. Appeler les choses comme elles ne sont pas. Elle défie les choses normales, les choses conventionnelles. La manière dont Dieu voit, la manière dont ce que Dieu dit, c'est ainsi que cela est. Donc, Israël, dans son voyage, Dieu les a appelés à sortir, première chose. Et deuxième chose, ils devaient être nourris. Ils devaient être nourris. Ils devaient être sous le tutorat dans le désert. Et de la même manière, Dieu devait garder la promesse du pays promis devant eux afin qu'ils aient leur focus, leur insistance sur le lieu où ils partaient, afin qu'ils n'aient pas l'idée de retourner. Et troisièmement, entrer dans le pays. C'était le plan, un plan si simple. Vous dites, pourquoi Dieu, et cela nécessitait 40 jours, les faire sortir de l'Égypte dans le désert. Et vous dites, pourquoi Dieu ne les a pas directement envoyé de l'Égypte directement dans le pays de la promesse? Très simple. Mais Dieu voulait façonner ces gens, il voulait les former, les changer, parce que c'était des gens qui ont vécu pendant 430 années, différentes générations d'entre eux. Ils étaient habitués aux manières, au style de vie de l'Égypte, l'idolâtrie. Les Égyptiens avaient plusieurs dieux. Ils avaient un dieu pour ceci, ils avaient un dieu pour le matin, un dieu pour midi, un dieu pour le soir. Différents dieux. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu les a donné les 10 commandements, il les a dit, vous n'aurez aucun autre dieu devant moi. Et il les a dit, je suis le Seigneur votre Dieu, vous m'adorerez moi seul. Pourquoi as-tu dit cela? Parce que ces gens étaient habitués à avoir plusieurs dieux. Les dieux dont Moïse parlait, que les pères ont parlé, qu'il les a fait sortir de l'Égypte. Il y avait tellement de dieux. Et c'est cela, Dieu a dit, vous n'aurez aucun autre dieu devant ma face. Je suis le seul et l'unique Dieu. Donc c'était des gens qui ont été en Égypte pendant 430 ans. À cause de la loi de la nature de Dieu, il n'était pas possible pour eux en une seule nuit d'entrer dans le pays promis. Ils n'avaient même pas ce que cela nécessitait pour vivre dans le pays de la promesse, dans le pays promis dont Dieu les a fait sortir. Et il avait un plan pour une courte période de temps pour les nourrir dans le désert, pour les donner la nourriture dans le désert, pour les préparer
préparer dans le désert et garder la promesse du pays promis devant eux afin qu'ils y entrent. C'était le plan, mais Dieu savait que l'environnement, du désert, et que semblablement ils auront l'environnement du désert était requis pour façonner les caractères, pour façonner les personnalité intérieure et pour les amener à la place, à la position où Dieu voulait qu'ils soient pour recevoir la promesse. Mais Israël avait un plan totalement différent, avait des idées totalement différentes. Aussitôt qu'il sortit, la marche de la foi comme Abraham, c'était comme si la promesse ne s'était pas accomplie. Et Dieu travaille sur moi. Ils ont été appelés à sortir. Et la chose, l'étape suivante, c'était être nourri, c'était être formé, c'était être sous le tutorat pour le comportement, pour le caractère. Et Israël s'est senti différemment aussitôt qu'il sortit. Tout petit, moins de problèmes, il se plaignait. Moins de problèmes, il se plaignait. Voici le défi que Dieu a placé devant eux. Dieu a dit, et fallait passer par ce chemin. Ils ont rencontré la mer Rouge. Avez-vous une fois pensé, ils retournaient sur la même montagne que Moïse avait rencontré la colonne de feu. Mais pourquoi sont-ils sortis de l'Égypte par la mer Rouge? Mais Dieu a dit, fallait passer par la mer Rouge. Je sais qu'il y a beaucoup et plusieurs personnes que Moïse n'avait pas le GPS pour connaître la bonne route, la bonne voie, ou une voie où il n'y avait pas d'obstacle, où il n'y avait pas de rivière. Mais Dieu les a dit, fallait passer par là. Donc, au lieu de croire en leur leader, ils ont choisi de ne pas le faire. Au lieu de croire au messager que Dieu les avait envoyé, et pas quelqu'un qui prétendait être un messager, mais un messager complètement authentifié et confirmé, et la puissance de Dieu qui s'est emparée de toute l'armée égyptienne et qui les a conquis, qui les a vaincus avec un vieux bois, un vieux bâton dans la main. Ils avaient même le cran de défier ce prophète. Ils ont combattu Moïse chaque jour 10 fois. 10 fois. Dans les premières semaines de leur sortie de l'Égypte. À tel point que Dieu a dit, j'en ai marre de ce peuple. Et c'est la raison pour laquelle le voyage du désert a pris 40 ans. C'était juste 40 jours pour les modeler, pour les façonner dans leur caractère. Et puis alors, viendrait le pays promis. Mais pendant qu'il les nourrissait, Dieu, Moïse, envoyait des espions dans le pays de la promesse pour envoyer une évidence pour les effrayer. Non, pour les amener à voir que la promesse que Dieu les a donnée est réelle. Mais une fois qu'ils l'ont vu, ils ont dit, non, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Les Anakim et tous les géants y sont. Oh, n'y a-t-il pas des tombes en Égypte? Ce que Dieu a envoyé pour les aider, pour bâtir la foi, pour construire la foi, c'est la chose même. C'est la chose même à laquelle leur foi a vacillé, a buté. Et Dieu a dit, ils ne vont pas entrer dans le pays de la promesse, si ce n'est que Josué et Caleb, les deux qui ont cru en moi, ce sont eux qui entreront. Ainsi, nous voulons voir un modèle ici. Israël est sorti de l'Égypte. 2 millions de personnes. Une église qui sort du monde. Mais Dieu appelait une église à sortir d'une église. Il appelait Israël. Il appelait Josué et Caleb à sortir de cette église-là. Et Dieu a dit, aucun de ce groupe n'entrera dans le pays promis. Aucun d'entre eux. Je vais faire sortir une église. Je ferai sortir une église de Moïse et une église de Josué et de Caleb. Et la nouvelle génération, les jeunes enfants, pour les faire entrer dans le pays de la promesse. Donc nous voyons deux exemples là, deux modèles là, une église hors de l'église, une église hors du monde, premièrement, et une église hors de l'église. Deuxièmement, nous voyons cet exemple, ce modèle se manifester tout au travers de cet âge de l'église. Donc c'est une condition dans laquelle Israël se trouvait
aller dans le désert. 40 ans, c'était leur propre choix. Ce n'était pas le choix de Dieu, c'était leur propre choix. Parce qu'ils ont refusé de voir que le désert n'était pas la destination. Le pays de la promesse est la destination. Mais c'était un voyage vers, au travers du désert. Le désert avait un but. Donc Israël a manqué le but du désert. Et parce qu'ils ont manqué le but du désert, ils sont tous morts dans le désert. Et pareillement, similairement, le désert représente les sept âges de l'Église. L'Église depuis sa naissance au jour de la Pentecôte jusqu'à sept âges de l'Église. C'est ce que le désert représente pour vous et pour moi dans la nouvelle Église, dans l'Église du Nouveau Testament aujourd'hui, exactement ce que Israël fit, l'Église le fait pareillement. Israël a combattu et ont douté, n'ont pas cru aux messagers et les âges de l'Église n'ont pas cru chaque messager que Dieu les a envoyé. Je vais dire qu'ils les ont même tués. Ils les ont même tués. Ils ont tué les caractères. Ils les ont tués physiquement. Toutes choses pour se rendre compte que le message n'est pas reçu et n'est pas cru. Exactement ce que fit Israël. Exactement ce que Israël fit dans le désert. Et ainsi, à cause de cela, l'Église a erré comme Israël le fit. Et frère madame dit, l'enlèvement aurait eu lieu il y a longtemps de cela, mais à cause de l'incrédulité de l'Église qui n'ont pas reçu les messagers de la même manière que Dieu envoyait à chaque âge l'Église. Ainsi Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et il a fait sortir Josué Caleb de cette église de la même manière. Il a eu Paul, les disciples hors de l'église juive pour former l'église éphésienne. Et cela a été ainsi tout le long des âges de l'église. Le messager est venu pour l'âge de l'église d'Éphèse. Ils n'ont pas reçu et Dieu a pris le petit groupe qui l'ont reçu, les a fait sortir de l'église. Une église appelée à sortir de l'église. Et c'est comme ça que Dieu a transporté la semence jusqu'au temps de la fin. Comme cela se fit pour Israël, deux personnes sont sorties, des gens qui sont sortis de l'Égypte, là où ils étaient, au seuil de l'entrée au pays de la promesse. De la même manière, cet âge de l'église, l'Église a manqué d'être obéissant aux serviteurs de Dieu. Aucune clarté comme Israël. Il y avait un plan pour entrer dans le pays de la promesse. Ce n'était pas un voyage sans plan. Ce n'était pas un voyage sans direction. Dieu avait son serviteur Moïse, le prophète Moïse, qui a frayé le chemin pour eux selon la parole de Dieu. Mais Israël avait une meilleure manière de voir les choses et par conséquent, ils ont terminé dans le désert. Parce qu'ils sont sortis, mais ils n'avaient aucun désir d'entrer dans le pays de la promesse. Et si vous regardez un peu plus tard, lorsque Israël est entré dans le pays de la promesse, ces Anakim dont il se plaignait, Dieu a dit à Josué, comment ces géants dont ils se plaignaient, il n'y avait aucun contest où Israël les a affrontés lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse par la parole de Josué. Un ennemi qui n'est même pas, qui ne pouvait même pas faire face à leur Dieu. Et c'est ce qu'il fit. Ils ont tout perdu à cause de cette crainte, à cause de cette peur. Et cela les amena à ne pas croire aux messagers. Ils sont tous morts dans le désert. Et la même chose avec les sept âges de l'église. Et chaque personne avait sa propre manière comment faire les choses. Et c'est devenu comme les âges de l'église. C'est comme s'il n'y avait aucun plan jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'à ce temps de la fin, l'église, aucun plan, aucun programme. Et rien sur le plan de Dieu. Que ce soit la prospérité que nous devons prêcher, que nous devons prêcher le royaume de Dieu. Et que ce soit, et toutes choses, que ce soit les signes et les merveilles, ils font ce. Et même,
Et cela même est entré dans le message. Les gens n'ont pas une claire vision de quoi faire. Par manque de foi dans ce que le message a dit, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a rien qui est ambigu. Il n'y a rien qui est entaché dans le message. Il n'y a rien dont le messager nous a pas dit. De l'Égypte jusqu'à entrer dans le pays, il n'y a rien d'ambigu à ce sujet. Mais lorsque les gens ont leurs propres différentes idées de ce que le messager a dit, voici le résultat. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont tous été tués, qui sont morts dans le désert. Mort spirituelle. Mort spirituelle, je veux dire. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu le chapitre 25, 10 vierges allaient rencontrer le époux, parlant de la venue du Seigneur, parlant de la septième veille. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et pendant qu'elles attendaient l'époux, elles s'assoupirent et s'endormirent. Et il a expliqué cela, que cela était tout au long des 7 années de l'église. Elles s'endormirent, s'assoupirent, s'endormirent. Cela a plusieurs significations. Deux significations, je vais dire. S'assoupir pour ce qui concerne les choses de Dieu, et dormir, s'endormir physiquement, mourir pour la résurrection, et s'assoupir tout et s'endormir. Et cela se produit dans cet âge ici. Et toutes ces confusions dans cet âge, les amenaient à s'assoupir et à dormir. C'est ce qui est arrivé dans le désert à Israël. S'assoupir et s'endormir. Parce qu'il ne voulait pas écouter les paroles du messager. Et à cause de cela, leur foi n'avait aucun ancre. Et au travers de cela, ils ont montré, prouvé qu'ils n'étaient pas la semence d'Abraham. Parce que Abraham ne vacilla point au sujet de la promesse. Par incrédulité, Abraham a cru à Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Et combien avons vu aujourd'hui? Plusieurs personnes qui prétendent suivre le message et qui s'accrochent là et qui combattent les paroles du messager, qui contredisent les paroles du messager, expliquent les choses du messager, essayant de prouver que le messager a tort, essayant de prouver comme ils l'ont prouvé à Moïse. Pas étonnant qu'ils sont assoupis et qui s'endorment dans le désert. Pas étonnant qu'ils n'ont jamais été capables d'entrer dans la terre promise. Bien sûr qu'il n'y a aucun doute à ce sujet, parce que le modèle est dans la Bible. Si vous ne croyez pas, si votre foi s'affaiblit, si votre foi vacille, et c'est juste une question de temps pour que vous écartiez de la voie. C'est pour cela qu'il a dit, nous moissonnons. Si nous ne vacillons pas, si nous ne doutons pas, et même le prophète Moïse, qui a plaidé pour eux à Dieu, et il a dit que ce peuple est un peuple au cou raide, à tel point qu'il s'est mis en colère, et il a dit aucun d'entre eux n'entrera dans le pays de la promesse. Il y avait tellement de confusion, il y avait tellement de manque de direction au milieu de l'église. Et Moïse était quelqu'un qui n'avait aucune directive, aucune direction. Mais Dieu lui avait donné la direction. Et il a dit, mon serviteur Moïse n'est plus là. Il avait donné une direction et les gens ne voulaient pas écouter. Maintenant, Josué, lorsque tu vas les faire entrer dans la deuxième partie du voyage pour les faire entrer, maintenant c'est un nouveau groupe, maintenant c'est une nouvelle église. Nous avons maintenant un nouveau groupe, une nouvelle église. Maintenant, nous entrons dans le pays de la promesse, exactement dans les âges de l'église. La même chose, pareillement, une église appelée à sortir du monde. Dans chaque âge appelé à sortir du monde. Mais dans chaque âge aussi, ils n'ont pas écouté le messager de l'âge comme ils l'ont fait avec Moïse. Et cela, c'est l'église. C'est là où il appelle une église à former le croyant de l'église, à former le nouvel âge, l'épouse et de ce groupe.
Dieu. Dieu avance à l'âge suivant, dans l'âge suivant. Et dans ce et un petit groupe de victorieux, Dieu, c'est là Dieu appelle une église à sortir de l'église. Et là, sur les rives du Jourdain, une église appelée à sortir de l'Égypte. Cette église avait, il y a eu une église appelée à sortir de l'église. Josué, Caleb et la nouvelle génération étaient maintenant prêts à entrer dans la terre promise de la même manière avec l'église jusqu'à notre âge ici, jusqu'au notre âge du temps de la fin où chaque personne a quelque chose à dire, où chaque personne a sa propre opinion au sujet de la vie chrétienne. Et 450 dénominations dans le monde maintenant. 45 000 différentes dénominations. 45 000 différentes dénominations. Faites des recherches. Des gens qui raisonnent et qui disent que le christianisme n'est pas vrai. Pourquoi y a-t-il toutes ces confusions? Pourquoi y a pas un accord s'ils croient tous le même Jésus? Parce qu'ils ne croient pas les paroles du messager. Parce qu'ils ne croient pas les paroles du messager qui est envoyé dans chaque âge. Et ils ne croient pas le messager qui a été envoyé. Dans cet âge, il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un seul Dieu. Un seul Seigneur, une seule parole, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais parce que les gens ne veulent pas écouter les paroles du messager, nous avons cette confusion à tel point que nous arrivons à cet âge de la fin. Et il y a encore plus de confusion qu'il y a eu auparavant. Un jour ténébreux, rien clair, et où ce n'est ni nuit, ni jour, la confusion. Mais au milieu de cette confusion, où vous ne pouvez pas voir votre chemin clairement, où il n'y a aucune clarté sur tout ce qui parle de Dieu, ils ne savent pas s'ils doivent prêcher l'évangile, ou s'ils doivent prêcher la prospérité, ou s'ils doivent prêcher les miracles, ou s'ils doivent prêcher la parole. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils doivent dire. Pas la moindre idée. Mais au milieu de cela, Dieu a dit, j'enverrai la lumière au temps du soir. C'est au milieu de tout cela que le cri est sorti. Voici le pouls. Allez à sa rencontre. Frère Branham a expliqué cela. Matthieu le chapitre 25. C'est les sept âges de l'église, comme je l'ai déjà dit. Et lorsque le cri est sorti, ça c'était la septième veille, cet âge-ci. Laissez-moi vous lire une citation où il a dit. Juste un instant. Bien. Dans le message l'enlèvement, le 4 décembre 1965, il parle ici de ce temps de la fin ici et de son ministère. La première chose qui arrive lorsqu'il descend du ciel, il y a un cri. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Un message qui sort premièrement. Maintenant, c'est le temps de préparer les lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La septième veille, pas la sixième. La septième veille, voici le pouls. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elle le fit. Et certains ont remarqué qu'elle n'avait pas de l'huile dans les lampes. Mais c'est le temps de préparer les lampes. Qu'est-ce que c'est le temps de préparer les lampes? C'est le temps de Malachie 4. Le temps de Luc 17:30. Toutes ces prophéties qu'il met en ordre pour ce jour dans les Écritures. Juste comme Josué eut sa commission pour faire sortir les gens de la confusion du désert et les placer dans le pays du repos, dans le pays où il y avait le blé. La même chose, le Josué du dernier jour, William Marion Branham, son ministère, il a reçu une commission. Voici le pouls pour préparer une épouse pour le Seigneur Jésus, pour entrer dans ce pays promis.
Et comme Josué, sa commission est aussi en trois parties. Et nous pouvons apprendre de Josué ce que ce prophète messager, son ministère était. Afin que vous ne soyez pas vacillants, que vous ne soyez pas confus par les gens qui rétrogradent, par différentes personnes, jeunes, vieilles personnes qui se querellent. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le type doit être parfaitement en ordre pour que nous apprenions des Écritures. Et se poser des questions, s'interroger, se quereller, se disputer, et douter. Ainsi, voici où vous allez véritablement comprendre le sens, la signification de ce message. Pas comme vous allez le comprendre, mais je vais dire une manière de parler. Et j'ai presque terminé. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Frère Branham a passé la grande partie de son ministère prêchant sur les sept ans de l'Église, les sept ans de l'Église en d'autres termes. Et d'autres termes, il essayait de montrer au travers du type du désert. Et je vous ai montré ici que les sept sceaux sont un autre message pour faire entrer les gens dans le pays de la promesse. Ainsi, Josué, au seuil de l'entrée dans le pays promis, pour les faire entrer dans le pays promis, premièrement, et deuxièmement, posséder et s'emparer du pays, et troisièmement, répartir le pays pour eux, afin de parvenir à leur pays de repos et avoir leur héritage pour eux-mêmes, pour les enfants et pour les enfants de leurs enfants et pour les générations à venir. C'était cela le plan. Le plan de Dieu ne peut jamais être vaincu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle ne fait qu'arrêter l'incrédule. Ils sont tous morts dans le désert. Mais le groupe de croyants, ils étaient au seuil de l'entrée du pays promis. Qu'est-ce que l'incrédule a arrêté? C'est l'incrédule arrêté. Mais Dieu, lui, continue d'aller de l'avant. Il continue de l'avant. Et ça, c'était Josué et les gens. Au seuil du pays promis. La traversée du Jourdain. Et c'était Frère Branham. Il a reçu aussi la même commission. Frère Branham a dit, parle toujours de Josué. Le chapitre 1 était une écriture très particulière, quelque chose qui revenait toujours à lui. Il a donné quelques expériences qu'il a eues dans les années 50 jusqu'aux années 70, où sa Bible s'ouvrait dans les années 50 jusqu'aux années 57. Laissez-moi vous lire quelques écritures là. Les années 50 jusqu'aux années 57. Laissez-moi vous lire quelques écritures, quelques quotations. Frère Branham parle de la commission de Josué. Bien. Ceci dans le message Israël et l'Église. Paragraphe 41. Maintenant, à la fin de cette vision, j'ai vu ma Bible qui revenait vers moi et cela s'est ouvert dans le livre de Josué. Il a eu une vision et après la vision, la Bible est venue à lui au chapitre 1 de Josué. Et cela a toujours été devant moi, cela a toujours été en moi et je ne peux pas m'éloigner de cela. Et ce soir, je vais lire cela parce que c'est fait traverser les enfants d'Israël. Et cela est venu les 20 ou les 30 minutes suivantes parce que nous avons une réunion de baptême et juste pour vous préparer pour cela. Donc voici Frère Branham qui parle de sa propre commission et qui parle les vétérans et qui parle et qui est dans une publication à Jeffersonville, et vous verrez la Bible de Frère Branham. Vous allez à Jeffersonville, vous verrez la Bible de Frère Branham et ses commentaires sur Josué, le chapitre 1. Vous savez, Frère Branham, la commission de Josué, il dit juste comme Josué,
Le voici là, sur le point de faire traverser le peuple par le Saint-Esprit dans le pays de la promesse. Une autre citation ici, je parlerai de cela, dans le message adoption, quatrième partie, en mai, le 22 mai, maintenant. Qu'est-ce que le salut dont il essayait de les parler, prédestiné avant la fondation? Avant la fondation du monde, est-ce juste à l'adoption des fils prédestinés à la vie éternelle? Maintenant, après que vous arrivez à la vie éternelle, après que vous soyez sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, vous êtes des fils. Maintenant, Dieu veut vous placer positionnellement et ainsi, afin que vous marchiez dans son royaume et dans sa gloire. Ça, c'est l'évangile. Voyez-vous, premièrement, écoutez la parole, se repentir, se baptiser, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, ôter vos péchés, invoquer le nom de Jésus-Christ pour le pays promis. La promesse est pour chaque pèlerin sur votre route ici. Et de l'autre, au tabernacle, Dieu vous donne l'opportunité, l'occasion. Et une chose entre vous et le pays de la promesse. Qu'est-ce que le pays de la promesse? Le Saint-Esprit. Et il vous montre ici sa commission ici. De même que Josué devait les faire entrer dans un pays physique de repos, sa commission était de prendre cette épouse du temps de la fin et la faire entrer dans un pays spirituel de repos. Après le baptême du Saint-Esprit, le pays de l'adoption qui va nous élever d'ici en enlèvement dans les airs, parce que vous ne quitterez pas cette terre à moins que vous soyez adopté, le pays du repos. Dieu a dit, Dieu a juré, ils n'entreront pas dans mon repos. Et c'est le repos dont Frère Branham parle ici. Ainsi, une chose qui est là entre vous et le pays de la promesse. Qu'est-ce que le pays de la promesse? Le Saint-Esprit. Ce qui s'éteignait entre Josué et le pays de la promesse, le pays de la promesse, c'était le Jourdain. Exactement. Moïse en a fait le type du Christ et a conduit les enfants dans le pays de la promesse. Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays de la promesse, mais c'est plutôt Josué qui a fait entrer le peuple et a réparti le pays. Jésus a payé le prix et il les a conduits au Saint-Esprit, et Dieu a envoyé le Saint-Esprit et il a placé personnellement l'église en ordre de chaque homme, le remplissant de son être. Voyez-vous ce que je veux dire? Et tous en Christ Jésus, prédestinés à l'appel de cet évangile. Ainsi, nous y voici. Nous sommes sur le point de traverser de l'autre côté. Voyons rapidement, regardons rapidement à chaque élément ici, la traversée du Jourdain. Voyez comment Josué a traversé le Jourdain, alors nous saurons ce que cela signifie pour vous et pour moi, et les implications pour vous et moi. Le Jourdain représente la mort, nous connaissons tout cela. Et la traversée du Jourdain, et c'est traverser la confusion des arts de l'Église dans le nouveau pays. Traverser la confusion du désert dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Le Jourdain représente la mort au vieil homme, à l'ancien système, et une naissance au nouveau. Remarquez maintenant. La seule manière pour eux de traverser le Jourdain, c'était d'agir sur la parole qui est sortie de la bouche de Josué. Josué a donné les instructions comment il fait. Et une fois que les sacrificateurs ont mis le pied dans le Jourdain, en d'autres termes, ils ne pouvaient traverser le Jourdain que par la parole de Josué. La même manière, vous ne pouvez sortir de cette confusion que par la parole de Malachi 4. Vous ne pouvez pas argumenter avec ce que le prophète a dit. Et pareillement, c'est là où les gens meurent, dans le désert, même aujourd'hui. Ainsi, la parole du Seigneur dans la bouche de Josué, par la bouche de Josué, c'est qui les a fait traverser dans le pays de la promesse, de l'ancien, sorti de l'ancien pour entrer dans le nouveau, dans un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu! Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous sortez de ce monde
par la parole de Malachi 4, vous sortez de la dénomination, vous sortez du pentecôtisme, vous sortez de l'ancien système de vie, vous sortez de votre propre école de pensée, et c'est une vie totalement neuve. Toutes choses changent dans le pays de Malachi 4, dans le nouveau pays du Saint-Esprit. Tout devient nouveau. Votre perspective, votre manière de vous habiller, votre style, vos valeurs, et toutes choses changent. Vous ne pouvez pas les transporter avec vous, transporter l'ancien système avec vous. Non! Tout devient nouveau. Parce que vous avez traversé du vieux pour entrer dans le nouveau. C'est ce que le Jourdain représente. Vous avez traversé la confusion du pentecôtisme, la confusion du désert pour la lumière de l'évangile de Malachi 4. Le vieux, la vieille récolte du pays. Oh là là, alléluia. Une fois que vous êtes dans le pays de la promesse, vous êtes dans le pays où coule le lait et le miel. Remarquez, lorsque ils ont traversé, la première chose qui s'est passée, la manne qu'ils mangeaient, dont ils se régalaient pendant toutes ces années, s'est arrêtée totalement. Et ils devaient manger la vieille récolte du pays. Mais dans le nouveau pays, ils devaient manger le blé, le nouveau blé en d'autres termes. Et la manne qui descendait en forme de poignée pour des bébés qui se plaignaient dans le désert. Mais une fois que vous entrez dans le territoire de Malachi 4, une fois que vous entrez dans le territoire de Josué, la vieille manne arrête, cesse. Et vous êtes maintenant dans le pays du blé et du vin, dans le pays, les mystères du royaume de Dieu. Les choses profondes de Dieu, les choses riches de Dieu, qui nous pouvons vous prendre et vous enseigner des choses solides par le lait, comme ils le font dans le pentecôtisme. Vous savez, les gens se querellent au sujet de ce que Frère Madame a dit, et des gens comme cela. Jeunes gens, ne faites attention, ne prêtez aucune attention à ces choses. Père, ne prêtez aucune attention à ces choses. Autrement, vous allez terminer dans le désert. Où vous allez penser, traverser, vous pensez avoir traversé le Jourdain, vous ne pourrez pas avancer. Dans ce pays ici, c'est la vieille récolte. Ce sont les choses profondes de Dieu, pas les idées de lait. Il y a un fossé énorme entre le pentecôtisme et ce message. Nous ne parlons pas de manière arrogante, mais la réalité est que dans le message, beaucoup de personnes ne comprennent même pas ce qu'ils sont censés faire, à quoi ils sont censés ressembler, quelle est leur destination. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les pentecôtistes courent derrière les signes et les merveilles. Comme s'il n'y a aucun miracle dans la maison de Dieu. S'il n'y a pas de miracle qui se produit, alors retournez à la parole. Dans l'épouse de Christ, les miracles se produisent à chaque réunion, à chaque jour. Mais parce que les gens cherchent et c'est un sujet dans le message maintenant, parce que les gens pensent, où sont les miracles? À moins que vous ayez les miracles, à moins que vous ayez un prophète dans l'église, à moins que vous ayez un visionnaire dans l'église, et ils veulent se sentir comme des pentecôtistes. Et ça, c'est des choses, c'est des enfantillages. Et ils placent au-dessus des véritables miracles qui viennent par la parole de Dieu. Parole sur parole sur parole sur parole. Ils sont la vieille récolte du pays. Ça, c'est lorsque vous arrivez dans le territoire de Malachi 4. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Première chose, la traversée du Jourdain. Deuxième chose, entrer dans le pays. Et c'est là où vous devez comprendre les sept sceaux. Vous pouvez traverser le Jourdain. Vous pouvez entrer dans le message de Malachi 4. Vous pouvez prêcher les mystères profonds. Mais à moins de comprendre et de recevoir la révélation des sept sceaux, vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre et conquérir et posséder votre héritage dans le pays promis.
Et c'est ce qui arriva. Josué, le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit dans ce temps de la fin, comme Josué de l'Ancien Testament, a ouvert les sept sceaux et les sept tonnerres sous le septième sceau. De la même manière, Josué, dans ce temps jusqu'ici, dans ce jour-ci, une commission directe, sept sceaux et sept tonnerres là-dessous. Parce que dans Josué, le chapitre 5, juste avant que Josué n'ouvre les sept sceaux, voici qu'est descendu l'ange, l'ange du Seigneur. Il a vu le chef de l'armée de l'Éternel avec l'épée tirée dans sa main. Il dit, qui es-tu? Es-tu l'un de notre ou un de nos ennemis? Dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. De la même manière, avant que les sept sceaux ne fussent ouverts par le Josué de ce temps de la fin, le Saint-Esprit, au travers du ministère de son prophète, le grand prophète Élie, voici que descendit le capitaine de l'armée de l'Éternel, les sept anges, l'ange sur le mont Sunset. Comprenez-vous pourquoi le diable combat si durement la nuit? Parce que ça, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu pour donner la commission pour aller ouvrir les sceaux afin que les murailles de Jéricho s'écroulent, afin que les enfants d'Israël possèdent Jéricho. Et s'empare de l'héritage. Josué le chapitre 5. Voici que descendit le Seigneur avec l'épée dans sa main. Et dans ce temps de la fin ici, voici que le Seigneur est descendu sous la forme de sept anges avec l'épée dans sa main sur le Sabino, ou Sabino Canyon, avec l'épée dans sa main. Qu'était cette épée? Cette épée était l'adoption de Malachi 4. Cette épée était l'adoption de Malachi 4. Cette épée était l'autorité pour prendre les sept sceaux et rempocher et briser chaque parole et vous donner votre héritage. Cette épée était l'autorité pour vous ramener là jusqu'en Éden. Vous savez, en Éden, lorsque Adam pécha et perdit son héritage, parce que vous retournez à ce même héritage. Et il y avait des chérubins qui protégeaient le chemin de l'arbre de la vie avec une épée flamboyante. Cette épée flamboyante qui tournoyait cette révélation de la parole que Adam avait perdue. Des mystères profonds de Dieu. Et Adam est devenu amnésique à ce sujet. Mais l'épée flamboyante, avec la révélation, qui couvrait la révélation, une épée flamboyante, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et à Malachi 4, l'épée fut donnée. La même épée qui était dans la main du chef de l'Éternel, de l'armée de l'Éternel. Et lorsqu'ils sont allés en Égypte, chaque homme avait l'épée dans sa main. Et ils sont allés directement pour détruire chaque chose qui se tenait sur son chemin. Chaque enfant hébreu avait une épée dans sa main. La même épée qui était en Éden, la même épée était avec Josué. Cette même épée était dans la main de chaque personne après que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Cette épée était dans la main de Malachi 4. Et l'épée message est dans votre main aujourd'hui par la révélation pour vous frayer votre chemin au travers de chaque démon de doute. Mais il faut une main forte de la foi pour prendre cette épée et la poignarder directement dans le cœur de l'ennemi, du diable. Alléluia! Et l'enfoncer directement dans le cœur de l'ennemi du diable après que le Seigneur soit descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 6, c'était l'ouverture des sceaux. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a dit, va tout autour des murailles de Jéricho sept jours. Tournez autour et chaque jour, faites le tour une seule fois, le septième jour. Le verset 6, parcourez le sixième jour. Et le septième jour, parcourez sept fois. Le septième jour, sept fois. Faites sept fois le tour. Qu'est-ce que c'est? La même chose que Malachi 4 fit. L'ouverture des sceaux.
un saut par jour pour les six premiers jours. Le septième jour, sept sauts furent ouverts, suivi du silence. Il garde le silence. Ne prononcez aucun mot jusqu'à ce que je vous ordonne de crier. Et il a placé le cri sur le septième jour. Et il y fit sept fois le tour. Qu'est-ce que Frère Manama dit dans les sept sauts? Il dit, c'est le mystère des sept sauts. J'ai eu la révélation révélée hier. Et il faudra les sept tonnerres. Sept tonnerres inconnus qui ont retenti. Cela est en trois manières, mais je vais vous en parler de deux. Exactement comme Josué fit. Plaçant les sept tonnerres sous le septième sceau pour faire s'écrouler les murailles de Jéricho. Et placer l'épée dans la main de chaque enfant hébreu, chaque croyant hébreu, pour s'emparer directement de Jéricho. Et s'y emparer maintenant. Les murailles de Jéricho n'est pas les gens de murs que vous avez dans votre maison. Les murailles de Jéricho, c'était plus large. C'était très large. Il dit que ces murailles étaient tellement larges qu'il peut avoir des chariots parcourir ces murailles. C'était des murailles très, 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 très larges. Mais la révélation, une commission directe a fait s'écrouler chaque muraille. Et là-bas et ici, s'il l'a fait là-bas, il le fait maintenant. La révélation des sept sceaux et des sept tonnerres, la commission directe, c'est ce qui vous donne l'autorité pour aller vous emparer de la terre promise afin d'avoir à nouveau votre héritage, afin d'avoir votre héritage et entrer dans notre repos. Que ces gens qui n'ont pas cru en Moïse sont morts dans le désert, ils n'ont pas pu entrer dans le pays de la promesse. Même si vous avez traversé le Jourdain, même si vous avez mangé la vieille récolte du pays et que vous ne recevez pas le message de Malachie 4 des sept sceaux des sept tonnerres, vous ne serez pas à même de détruire les murailles de Jéricho. Parce que c'est cela la stratégie. Josué savait comment vaincre et comment s'emparer du pays promis. Il est allé au centre du pays de la promesse, premièrement Jéricho. Il les a fait s'écrouler par les sept tonnerres, par les sept sceaux et par les sept tonnerres, le message de Malachie 4. Et observez, une fois que les murailles de Jéricho s'écroulaient, les septièmes sceaux, une commission directe, le septième sceau, c'est une révélation qui va vous retourner, qui va vous ramener en Éden, qui va vous ramener à cette paix dans votre main, qui va vous ramener à la puissance de la parole parlée et à l'autorité, qui va vous ramener à tout ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden, le septième sceau qui vous ramène à votre repos. Oh, hallelujah! Et alors, une fois que Josué ouvrit le septième sceau et que les sept tonnerres firent entendre la voix, les murailles de Jéricho se sont écroulées. De la même manière, vos murailles vont s'écrouler. Votre manière de vivre va s'écrouler. Et tous les murailles qui vous entourent vont s'écrouler si vous recevez le message de Malachie 4 des sept sceaux. Vous comprenez maintenant pourquoi Malachie 4 a prêché les sept âges de l'église et les sept sceaux. Il vous montrait quelque chose. Il vous montrait comment retourner à votre héritage. Il vous a montré par cette révélation des sept sceaux. C'est ce qui vous connecte de retour en Éden, où vous pouvez avoir l'épée dans votre main. Et vous allez entrer dans votre repos. Et vous aurez votre repos comme Adam l'avait dans le jardin d'Éden. Vous allez retourner au temps de l'adoption des fils de Dieu qui retournent, qui reviennent à la perfection, qui retournent à l'autorité. Et observez ce qui va se produire. Une fois qu'ils ont vaincu Jéricho, l'endroit suivant qu'ils sont allés, c'était Aï, c'était I. I. Le moi signifie moi. Qu'est-ce que cela signifie? Votre bataille devient une bataille personnelle. C'est ce que Ei représente. La révélation des sept sceaux, le message de Malachie 4. Cela va toucher votre vie personnelle. Aïe.
tear down everything in your personal life that's unlike the spirit of the Lord. Because we are taking over the land. Tout ce qui se trouve dans votre vie, parce que nous allons nous emparer du pays de la promesse. Votre chair, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Les septièmes sceaux, aucun esprit, aucune autorité, rien qui peut résister à l'autorité du septième sceau. Parce que c'est le message qui vient directement de la pensée de Dieu. Les sept esprits de Dieu qui descendent sous la forme d'un message. Quel esprit qui peut résister à cela? Et cela nous a été donné. Ainsi Israël, avec cela, ils ont commencé à attaquer Aï. Aï, c'est la vie personnelle, moi, je. La vie personnelle, où Jésus peut venir dans votre vie personnelle. Et après Aï, ils sont allés dans tous les autres pays. Jésus avait premièrement attaqué le centre du pays. Et ils sont allés dans les royaumes du nord. La commission de Malachi 4, le message de Malachi 4, s'emparer du Jourdain. Et ça, ce message de préparation des lampes vous nettoie. Vous nettoyez de toute souillure dans votre vie. Préparez vos lampes. Ne laissez pas votre lumière s'éteindre par la souillure et par la saleté. Levez-vous et préparez vos lampes. Prenez le septième sceau, le message de Malachi 4. Et que cela sonde de chaque partie de votre vie. Parce que nous sommes prédestinés. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre l'épée et poursuivre chaque démon au centre, depuis le centre, depuis le sommet, jusqu'en dessous, partout. Et c'est ce que Josué fit. Il avait l'armée qui allait aux alentours, qui parcourait, commençant par les murailles de Jéricho qui sont écroulées, peu importe comment cela est puissant, comment cela est solide. Détruis cela. Démolis cela et allez dans votre vie personnelle, le jeu, le moi, afin que votre vie personnelle et chaque jour, sa vie personnelle vienne à vous. Quotidiennement, jour après jour, vous devenez comme Jésus en prenant le message, l'épée du Seigneur, ce qui est la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, la prendre et faire briller la lumière dans votre propre vie. Afin que la vie de Jésus puisse se répandre, s'étendre dans vous jour après jour, se bâtir en vous jour après jour après jour. Et après que Josué ait fait tout cela, toutes ces choses, qu'il ait conquis Jéricho, qu'il ait conquis Aï, qu'il ait conquis le royaume du sud, le royaume du nord, il y avait encore des territoires possédés. Davantage du pays promis avait été dépossédé de ses habitants. Il y avait encore un petit reste. Mais la grande partie du travail avait déjà été fait. Ainsi, Josué, tu vieillis. Il y a encore davantage, plus de pays, plus de territoires à conquérir. Et le pays avait été débarrassé de plusieurs ennemis. Josué maintenant est arrivé à la dernière partie de sa commission. Répartit le pays aux tribus. Et c'est là où votre héritage individuel vient. Parce que cela parle de l'individu. Donc Josué, il y a eu 7 années dans le pays promis. Et la plupart des territoires avaient été réclamés. Et Josué avait détruit l'armée et a donné à chaque tribu, en dehors des Lévites, leur propre portion de leur héritage. Pour qu'ils y aillent maintenant en prendre soin par eux-mêmes et nettoyer les territoires de chaque habitant. Et c'est là où l'héritage individuel entre en scène. C'est là où le chapitre 14, où Caleb vient
Donne-moi maintenant cette montagne. Je sais qu'il y a les Anakim. Je sais que les trois fils. Que les trois fils. Mais je, si le Seigneur est avec moi, je vais les chasser. Et cela représente la dynamique sur votre mécanique. Parce que maintenant même, avec l'épée du Seigneur dans vos mains, la révélation de la parole, vous êtes en train de vous frayer votre chemin et vous nettoyez votre chemin, votre vie de chaque ennemi. Mais ils ne sont tous pas là, ils ne sont tous pas partis. C'est là où vous arrivez au point de la vie individuelle. Vous devez posséder votre héritage individuel dans le pays promis pour demander votre héritage individuel comme Caleb y a demandé. C'est là où Dieu vous envoie la dynamique sur votre mécanique. Et qu'est-ce que la dynamique fait? L'esprit du Dieu vivant. Après que vous soyez justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend pour ajouter l'Esprit du Dieu vivant en vous par une manifestation de son propre esprit. Et par une expérience, vous devenez plus en plus semblable. Pas par une révélation maintenant, mais par une expérience. Parce que la dynamique est là. Et quand Dieu peut voir cela, il vous place de côté. Il vous appelle de côté. Il vous visite avec un ange. Et ajoute trois mots supplémentaires. Et vous entrez dans le repos du Seigneur. Et vous entrez dans son repos. Le temps de l'adoption. Et une fois que vous êtes adopté, c'est là où vous êtes prêt pour aller dans l'enlèvement dans les airs. Vous êtes arrivé à votre repos, un repos spirituel, et vous allez maintenant entrer dans un pays du repos physique qui se trouve de l'autre côté de la résurrection. Vous allez dans l'enlèvement dans les airs, dans un pays de l'autre côté de la résurrection. Qu'est-ce que tu dis ici, prédicateur? Alors que je termine, ce que je dis ici, c'est que vous avez été appelé à sortir par le message de Malachi 4. Vous avez été appelé à sortir de l'Égypte. Vous avez été appelé à sortir du Jourdain. Vous avez été appelé à sortir de la dénomination. Les gens qui aiment qui aiment le plaisir plus que l'amour de Dieu, vous avez été appelé à cela. Maintenant, de l'autre côté du Jourdain, après avoir été appelé, qu'est-ce qui suit? Vous êtes nourri, vous êtes sur le tutorat, vous êtes entraîné, vous êtes formé. Le comportement, l'épée placée dans votre main par la révélation des sept tonnerres placées entre vos mains pour vous lever et préparer votre lampe et réclamer et nettoyer votre lampe de chaque souillure, nettoyer votre lampe de chaque souillure qui n'est pas semblable à Jésus-Christ. Et quand Dieu peut vous voir faire cela, il envoie la dynamique sur vous pour vous donner l'énergie, pour terminer le travail, afin de posséder votre héritage individuel. Dans votre héritage individuel, c'est votre adoption, pour avoir votre propre expérience du mont Hébron, où vous allez chasser chaque esprit de votre pays, de votre territoire, par l'Esprit du Dieu vivant. C'est là où nous sommes maintenant, amis. C'est la chose à laquelle nous attendons. Voici ce à quoi le message nous a conduit. Vous n'êtes pas ceux-là qui savent qu'ils doivent aller dans le pays de la promesse. Mais vous savez, une fois que vous avez été appelé, votre nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Et vous êtes prédestiné dans la section éternelle pour avoir ce repos, pour vous frayer votre chemin, pour persévérer jusqu'au-delà de Jéricho, jusqu'à votre propre héritage individuel dans votre pays promis, parce que vous avez été appelé à sortir pour ce but. Et nous y sommes. Vous êtes prédestiné pour ce but. Et vous allez être là. Mais gardez votre pensée sur le but et vous y serez. Que Dieu vous bénisse. Mountain, free.
rest beyond the river. Let's sing it one more time. In the cross. In the cross. In the cross. Talk to the Lord. The name of the Lord. You appreciate that message. Give the Lord a hand of praise. Amen, amen, amen. What a blessing. What a privilege and honor it has been to have heard what we've heard thus far. To be here in this hour, such a time like this. Blessed be the name of the Lord. Amen. Let's sing that song, Lord, I want to be a Christian. Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Yeah. Christian, yeah.
in my heart. In my heart. In my heart. Lord, I want to be a Christian in my Jesus. Thank you, Lord. Amen. At this time, we want to pause and pick up the tithes and offering. Let's sing that song, We Shall See the King. Oh, we shall see the King. We shall see the King. Oh, we shall see the King when he comes. He's coming in power. Hail the blessed hour. Oh, we shall see the King when he comes. Oh, singing, we shall see the King. We shall see the King. Oh, we shall see the King. When he comes, he is coming in power. All hail the blessed hour. Oh, we shall see the King when he comes. Let us bow our heads. Oh, Heavenly Father, we pause at this time bringing the tithes and offering before you, Lord. Lord, we pray that you bless those that give and provide for those who are not in a position to give, Lord. Lord, may it be used for the furtherance of your gospel. Guide us, use, we pray. In Jesus' name, amen and amen. Oh, we shall see the King when he comes. Oh, we shall see the King. We shall see the King. Oh, we shall see the King when he comes. He is coming in power. All hail, blessed hour. Oh, we shall see the King when he comes. Oh, we shall see the King. We shall see the King. Oh, we shall see the King when he comes. He is coming in power. Hail the blessed hour. Oh, we shall see the King when he comes. Oh, singing, we shall see the King. We shall see the King. Oh, we shall see the King when he comes. He is coming in power. All hail the blessed hour. Oh, we shall see the King when he comes. Oh, I am covered, covered, covered by his blood. Walking by faith, living in love. I am covered, covered, covered by his blood. Oh, Jesus has rescued me. Singing, I am covered, covered, covered by his blood. Oh, walking by faith, living in love. I am covered, covered, covered by his blood. Oh, Jesus has, let's take it up. I'm covered, covered, covered by his blood. Walking by faith, living. I am covered, covered, covered by his blood. Jesus has rescued me. One more time, sing, I am covered, covered, covered by his blood. Walking by faith, said I'm living in love. I am covered, covered, covered by his blood. Oh, Jesus has rescued me.
Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. We just bow our heads as we close in a word of prayer. Oh Lord, we bow before you once more, Lord. Lord, just to thank you, praise you, and worship you once again, Lord. Lord, we want to forever be in your presence, Lord. Lord, we thank you for the praise, the worship, the singing, Lord, your word, the ministry, Lord. Lord, we pray that you will anoint your minister, Lord. Lord, I pray that you will give him strength, Lord, that you will bless his church, his wife, his family, Lord. Lord, I pray that you will have your perfect will, Lord. Even as we leave this place, may your presence be with us, Lord. May you continue to outpour your spirit among your people, wherever they are, Lord. Lord, those that are near and far, Lord, I pray that you reach out to all the needs, Lord. Lord, we thank you and we bless you and we worship you for being here for this convention, for the inspiration, Lord. Lord, for all that was said and done, Lord, we're so grateful. Lord, we're so thankful, Lord. Lord, we bless your name as we leave here. I pray that you grant us traveling mercies in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you, Jesus. You love the Lord? You love the Lord today? Amen. Let's sing that song, How Great Is Our God. Amen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great. Our God. Everybody sing. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great. How great is our God? As the ushers get ready. He's a name above all name. He's a name above all names. He is worthy to be praised. And my heart will sing, how great is our God. He's a name above all names. He's a name above all names. He is worthy to be praised. And my heart will sing, how great is our God. Oh, oh, how great is our God. Our God, and all will see how great, all will see how great is our God. May God bless you.